Bonjour à tous et bienvenue dans League of Historia, bientôt de nouveaux pings dans la faille. Souvent il est fort probable qu'un joueur ne cesse de spam des pings sans se faire comprendre, et quand le dialogue est rompu, ça peut laisser place à des dingueries en game. Une botlane désorganisée, un gang complètement loupé, la miscommunication n'est pas nouvelle, mais à qui la faute? Sur Reddit, Shaidin propose d'ajouter de nouveaux signaux comme freeze ou push. Avec le League moderne, les états des vagues sont devenus l'un des facteurs les plus importants de la laning phase. Un match peut être gagné ou perdu lorsque un minion vit ou meurt à un moment opportun. C'est pourquoi indiquer à son coéquipier ce genre d'action peut être capital, surtout quand on n'est pas en pre-made. En jungle, le ping push pourrait vous assurer un backup lors d'une invasion sur le côté de la map adverse. Pardon. Inversement, quand on est au mid, vous allez pouvoir indiquer votre envie d'avoir un gank avec le ping freeze. Voici quelques petites propositions du coup qui pourraient être ajoutées directement sur les pings de League of Legends. Heal moi pour éviter tout quiproquo avec votre Soraka ou Yumi. Back avec moi, la tempo est importante. Tenez-vous prêt, j'engage au lieu de spam les on my way, ce qui serait utilisé pour des personnages comme Malphite ou Rakan. Ward ici s'il te plaît, un support c'est utile évidemment. Go dive, on pourrait setup la wave et ne pas se retrouver en 1v2 sous la tour. Et focus plus champion. On pourrait se combiner avec un autre ping pour indiquer qui est la personne à viser, qui existe presque, mais c'est un peu tendancieux. Voilà en tout cas pour ces petites idées. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos idées, ce que vous devez, je pense, en avoir aussi. On se retrouve une prochaine fois et à très vite.